liturgique, mais aussi notre communauté paroissiale est en fête, car cette célébration eucharistique abritera la cérémonie d'installation de notre nouveau curé, Abbé Jean-Gilbert Mavrongo, par son excellence, Monseigneur Abbé Liloala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. À cet effet, les textes
paix soit avec vous. Excellence, Monseigneur Abel Douala, archevêque métropolitain de Côte d'Ivoire, et chers tous, en vos différents grades et rangs, tout protocole respecté, sans oublier sa modestie, l'abbé Georges Gilbert, qui est à l'honneur aujourd'hui, et dont nous connaissons les attitudes candides et effacées, est avant tout un homme de culture et un artiste au bord ou atypique, ayant éprouvé par la suite la vocation du prêtre, qui désormais structure toute sa vie. Et à cette vocation se greffe ensuite celle de théologien bibliste et de chercheur. Après sa qualification de docteur en théologie biblique et de professeur de Bible dans des grands séminaires. On l'a bientôt découvert, depuis son diaconat en 1991, comme un passionné de la pastorale, du suivi spirituel des chrétiens dans le ministère de la compassion. En plus du service de secrétariat qu'il assurait aux côtés de Mgr Jean-Philippe Sika. Finira de mémoire, il finira par être nommé à un moment donné vice-aumônier du renouveau charismatique par Mgr Jean-Paul Marie. Durant son épiscopat, en dépit à la déprise de Brunel Goma. Comme signifiait plus haut, il est d'abord homme de culture, déjà connu sous le pseudonyme de Basile Chibutensik, autrement dit, les souffrances qui engendraient la paix. Dans les instances du Centre culturel français au Congo, aussi direct, CICEF, aujourd'hui l'Institut français du Congo, dans celle de l'ancienne direction régionale de la culture du pays, du Burkina Faso, du Cameroun et de la Belgique, ici avec le théâtre de Coco Miten. Genèse et jalon de l'homme de culture. C'est sous Sonia Boutancy, son professeur d'anglais, autour des années 1977, qu'il fait ses premiers pas dans la troupe théâtrale dénommée le Tuloir Théâtre au collège Pierre Chicaya de Bordeaux. Aujourd'hui, c'est G. Ce professeur, les élèves appelés affectueusement notre Sony, très vite va se faire célèbre avec son premier roman, La vie et les mines, paru en 1979 aux étudiants du CEU à Paris, mais dont on lisait déjà les manuscrits et tapisseries au CG. Dès lors, a suivi une carrière de publication d'autres œuvres, mais alors en cascade, c'est-à-dire en série et rapidement, romans, pièces et théâtres, et recueils de poèmes qui ont fait de lui une légende et icône dans l'univers mondial des écrivains à partir de Brazzaville, surtout. Ou plus tard, il créa aussi le Rokado Zulu Théâtre. Alors, le jeune Georges Gilbert, de son côté après son BMG, rentre en octobre 1979 au moyen séminaire Notre-Dame de Londres. Il s'illustre comme animateur culturel, acteur comédien et metteur en scène. Puis quelques années après, il se retrouve au grand séminaire Émile Bénédard de Brazzaville. Jean-Gilbert comblera le vide de l'absence de son maître à penser et en parler, dont la culture sonne par les œuvres de ce dernier qu'il fera jouer fréquemment dans les séminaires, comme par nostalgie
jusqu'à leur dernière retrouvaille plusieurs années plus tard, en la chapelle de Luango à l'occasion des funérailles de Chikaya Koutamissi. Celui-ci venait de décéder le 21 avril 1988 à Bazancourt en France. Le jeune Jean Gilbert étant venu à Luango, cette fois-ci, pour accomplir son stage intercycle, en qualité de conseillériste stagiaire, vice-recteur et professeur de la terre, de religion, de philosophie, d'histoire et géographie, perçoit déjà cette circonstance comme un coup de théâtre et un sourire de Dieu. Il n'en ratera pas de coach. En effet, à la messe de Réquiem, présidée par l'abbé Portera, aujourd'hui évêque émérite du diocèse de Kinta, Chikaya Koutamissi, qui veut se traduire par petite feuille qui parle au nom du pays, a eu droit à un poème intitulé Saint-Louis, c'est pas du mauvais sang. Avant d'être inhumé près de son frère, Jean-Félix Chikaya, celui-ci fut le premier parlementaire congolais de l'Afrique équatoriale française, la CDKF. Pour le dire comment, disons-le, que les paroles, leur titre et mission ont été interprétées que dans leur veine a ruisselé de père en fils le sang du prophète. Chacun d'eux, en effet, a été porte-parole à sa manière. Composé par Jean Gilbert, en référence aux œuvres du défunt écrivain et proposé en place et lieu d'action de grâce, ce poème fut mené par l'auteur Jean Gilbert. Et c'est en présence du ministre de la Culture, Kachinka, des écrivains étrangers et congolais dont sonnait la réponse, venus de nombreux pour accompagner Koutamissi à sa dernière retraite. Ce retrouvail à Luango fut la dernière rencontre physique entre Sonny Laboutonsi, la honte qui engendra le pays, et Jean Gilbert, alias Passy Chiboutonsi, les souffrances qui engendraient la paix. Autour de la repouille mondiale de Chikaya Koutamissi, la petite feuille qui parle au nom du pays, ce coup de théâtre et ce sourire de Dieu, Passy Chiboutonsi s'en souviendra toujours. Une fois devenu prêtre en 1992, nommé curé de la paroisse Saint-Isidro, en 1998, l'abbé Jean Gilbert, avec un groupe de jeunes scouts, forme la compagnie théâtrale Jeunesse Olivier, qui participe au festival local organisé par le groupe jouant dans les paroisses, lycées et quartiers de Côte d'Ivoire. Aux côtés des jeunes dramaturges et comédiens très talentueux de la vie, tels que Pierre Calvert Mediala, Jules Coucou, Joseph Cala, Bouchel Toyo, Germain Colombo et Emar Bibac, Bibi Yamou. Et en 1999, Jeunesse en éveil de Saint-Isidro est sacré prix du Kouda en 1999 de la meilleure troupe théâtrale au Congo, décorée à la Pagode par la dame ministre de la Culture du Congo-Brazzaville. En ce temps-là, Aimé Inyadi. Notons que ce prix, qui est une civilisation de Congo, à l'époque, il fut directeur régional de la culture du Grand Pays. Dès lors, Jeunesse en éveil bénéficiait d'un statut spécial de partenariat avec le Centre culturel français pour toutes ses prestations. C'est grâce à l'intention et au discernement de M. Frédéric Pambou, lui-même dramaturge et grand propulseur de la culture, partout où il est passé, à Madiou et ailleurs, mais surtout à Pointe-Noire, où il a laissé une empreinte culturelle indélébile. En 1999, en 2000, Passy Chiboutonsi est membre de l'Institut international du théâtre en termes du Congo-Brazzaville.
Dramaturge, il est auteur de plusieurs pièces de théâtre en circulation. Catalonia, Sangama, La Fantaisie du Royaume, Je suis signé, Diaspora, à ne pas confondre avec Je suis signé, Cardiaque, et celui de la Médocie. Handicap, la main dans le chapeau, et la femme créateur, tu es notre joueur de cancan. Cette dernière est une adaptation théâtrale de correspondance entre la ministre romancière Emilienne, d'une part, et de l'autre, le romancier, dramaturge et poète Tchikaya Mkambisi, pièce créée et jouée à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de Tchikaya Mkambisi en 1998. À l'espace du Conteneur, le total, en présence de la dame ministre Emilienne et du directeur régional de la culture du Puy. Monsieur Frédéric Pombou, ainsi que les agents potables et amis de la culture. Sa pièce théâtrale, Je suis signé Diaspora, a permis à la troupe Jeunesse en éveil de Saint-Isidore de participer au Festival international du théâtre pour le 2019, organisé par les ateliers du théâtre de Burkinabé, de Prosper Compaoré, Jeunesse en éveil. Et ainsi représenter le Congo Brazzaville par deux fois, en 2006, en 2010. En Ouagadougou, là-bas, elle rencontra la troupe belge du théâtre des Cocomitaines, avec qui elle est depuis lors en partenariat pour le festival du théâtre pour le développement durable. Cette troupe belge étant déjà venue par deux fois au Congo Brazzaville, où elle s'est produite en compagnie de Jeunesse en éveil à Portée et à Port-Noir et à Domicile, sponsorisée par le Total et le restaurant Yongi. À l'Université catholique d'Afrique centrale, Institut catholique de Yaoundé au Cameroun, ICAP, pendant ses études pour la maîtrise en théologie biblique des années 2006-2008, avec d'autres étudiants, voici que je vous conseille de créer la troupe théâtrale étudiantine qui désormais anime des cérémonies culturelles, lui-même étant sur le plancher tel qu'il adore, même étant prêt. Enfin, en Espagne, pendant ses études doctorales 2013-2016, il traduit quelques morceaux choisis de Sa Majesté le Ventre et le premier tragédie de Sony La Moutance, pour le jouer en espagnol avec le confrère prêtre latino-américain, africain et indien, afin d'éveiller les habitants des maisons de retraite. Las Residencias. Comme quoi, on n'a pas eu tort de dire de lui au Centre culturel français de Pointe-Noire que le théâtre l'a suivi jusqu'à l'hôtel de Dieu. Parce que je vous consigne à encore, dans son tiroir, romans et poèmes souvent cités dans ses présentations et théâtrales, mais qu'il projetait toujours au sommet à l'édition après ses œuvres théologiques. Ambitieuse. Après l'obtention de son doctorat en la faculté du Nord en Espagne, le siège de Victoria Castelli, le 16 juin 2016, avec mention Cum laude probatus, qui l'obligeait à publier, il est l'auteur de deux œuvres théologiques, publié au même moment aux étudiants Renaissance africaine en France, d'abord rapport à la christologie du 4e évangile. Fruit de sa thèse doctorale et ensuite la double perspective joannique de l'agneau, Amnos et Arnaud. Possible implication
Les autres œuvres sont en édition, à la rencontre d'abord, problèmes d'hier et solutions pour aujourd'hui. Assumer toute diversité pour faire unité au nom de l'Évangile. C'est une exégèse du livre des Actes Apôtres, chapitre 6, verset 1er verset. Ensuite, priorité et extrême urgence des missions pour l'Afrique. C'est une actualisation de la précédente étude. Les deux vont paraître aussi au même moment. Ils signent ces œuvres littéraires du nom de Passy Chikotoncite et ces œuvres théologiques du nom de Jean-Gilbert Chichi Mavou. Enfin, en tant que pasteur, dans l'article 16, il a œuvré comme aumônier et cuisinier, scolaire et catéchèse, ainsi que comme vicaire à Saint-François, Saint-Pierre et Notre-Dame, et curé à Saint-Esprit, Saint-Joseph et Saint-Esprit, et aujourd'hui à Christophe. Au Gabon, comme fidèle de nous, il a été vicaire à la cathédrale Saint-Hilaire de France-Dieu. Où il fut aussi animateur des émissions religieuses à la radio Massou, et curé à Saint-Pierre-Claver de l'Astronville, ainsi qu'à la paroisse Saint-Barbe de Moulin. Le grand séminaire théologique Émile Béria de Brazzaville, en même temps qu'il était professeur de Bible, il assumait tour à tour, les charges de vice-recteur et de recteur par intérim, avant son retour au Bercail dans l'archidiocèse. Voilà l'homme et ses œuvres. Portant nomination du curé de la paroisse Histoire de l'Univers. Considérant que la paroisse est une communauté précise de fidèles qui est constituée d'une manière stable dans une église particulière et dont la charge pastorale est confiée à un curé comme à son pasteur propre sous l'autorité de l'évêque diocésain. Canon 515, paragraphe 1. Vu le canon 523 du Code de droit canonique, soulignant que la nomination du curé revient à l'office de l'évêque diocésain. Vu les canons 515, 521 et 523 du Code de droit canonique, fixant les prérogatives et limites pastorales du curé. Vu le canon 523, du Code de droit canonique confiant à l'évêque la provision de l'office du curé. Nous, avec Douala, par la grâce de Dieu et l'autorité du siège apostolique, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, décrétant l'abbé Jean-Gilbert Mavoumou, du clergé diocésain de Pointe-Noire, est nommé curé de la paroisse Histoire de l'Univers, donné pour l'année du Seigneur le 15 juillet 2024 près de l'archevêché de Pointe-Noire, Monseigneur Abel Douala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Monsieur l'abbé Jean-Gilbert Mavoumou, acceptez-vous d'être pasteur de la paroisse Christ-Roi de l'Univers pour proclamer la parole de Dieu, célébrer les sacrements, prendre soin des pays, des pauvres et des malades, en collaboration avec les autres personnes qui exercent divers ministères en Église? Oui, j'accepte.
avec une foi ferme. Je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui ont la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois dans l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais qu'un seul baptême pour le pardon des péchés. J'entends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une longue foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrite ou transmise par la tradition et proposée par l'Église pour être plus comme qui vit le monde révélé, soit en vertu d'un jugement solennel, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tient toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées, soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques lorsqu'il exerce le ministère, le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de proclamer par un acte définitif. Nous passons à la signature du mot par le nouveau curé, le président du conseil pastoral paroissial et du conseil pour les affaires économiques.
Je confesse à Dieu puissant.
éloigne-nous dans ta volonté, nous serions sa maître, afin que sans aucune embâme, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions notre vie, Seigneur de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, en tant qu'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois au chapitre 17, les versets 10 à 16. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour s'arrêter. Et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain, j'ai seulement dans une jambe une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous mangerons et puis nous mourrons. » Et il lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la à moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, genre de farine, point de s'épuisera, vase d'huile, point de s'épuisera, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce que Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils furent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et la vase d'huile ne s'épuisa pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire du prophète Élie. Parole du Seigneur. Somme responsoriale, somme de louange pour tous les bienfaits du Seigneur. Avec la chorale, méditons le psaume 145 dans le refrain R, chante ô mon âme la louange du Seigneur. Oh,
Jésus-Christ, thank you.
C'est au chapitre 12 de cet évangile, des versets 38 à 44. Dans son enseignement, Jésus disait: méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait la foule déposer de l'argent dans le coin. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et déposa 2 pièces. Jésus s'adressa à ses disciples. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le temps plus que tout le monde, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs,
moment, je me laisse entendre une affirmation bouleversante qui va à l'encontre de nos critères d'appréciation. En effet, Jésus déclare, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Assis dans la salle du trésor, Jésus observe attentivement ceux qui déposent de l'argent dans le trésor. Il remarque que les riches gens y déposent des sommes très importantes. De quoi impressionner les autres? Cependant, au milieu de cette grande foule, le regard de Jésus se pose sur une veuve. Une pauvre veuve, précise l'évangéliste Marc, pour insister sur la condition précaire de cette femme infortunée. Souvenons-le, de tout temps, les veuves figurent parmi les plus vulnérables de la société. C'est aussi le cas dans la Palestine du temps de Jésus. Les veuves dont le mari n'avait pas laissé d'héritage conséquent étaient marginalisées et défavorisées. Telle était donc la triste condition de la veuve observée par Jésus. On ne pouvait rien attendre d'elle, et d'ailleurs son offrande est très insignifiante. Deux petites pièces de monnaie, c'est l'offrande du plus pauvre. Pourtant, frères et sœurs, Jésus exalte cette pauvre veuve, car il a mis plus que tout le monde. Une affirmation qui est pour le moins paradoxale au regard des grandes offrandes, des offrandes impressionnantes des riches. Mais pour comprendre l'enseignement de Jésus, relisons les premières lignes de la Pentecôte proposée à notre méditation. Jésus disait, méfiez-vous des scribes qui viennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens de veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Le culte de l'exhibition des riches, la soif démesurée des honneurs, l'insouciance vis-à-vis des pauvres et le culte des apparences sont, tels sont les vices qui caractérisent les riches scribes stigmatisés dans l'Évangile. Frères et sœurs bien-aimés, la scène qu'observe Jésus dans la salle du trésor et l'enseignement qui en découle viennent étayer sa mise en garde contre les scribes vaniteux et insouciants. Cette pauvre veuve, dit Jésus, a donné plus que tous les autres. En évidence, l'appréciation de Jésus porte moins sur la quantité de l'offrande que sur sa qualité. Il ne se laisse pas impressionner sur le montant versé dans le temple. Non, il regarde le nom du cœur de cette pauvre veuve. Avec quel amour, quel degré d'humilité et quelle discrétion elle dépose son offrande dans le tronc. Son élan intérieur diffère de l'arrogance des riches qui jettent des sommes faramineuses pour impressionner. Allons encore plus loin. Jésus précise qu'alors que tous les autres ont mis sur leur superflu, la pauvre veuve a mis sur son indigence et l'a donné ce qu'elle avait pour vivre. Focalisons-nous
sur la comparaison entre superflu et ce qu'il faut pour vivre. Le premier élément de comparaison, c'est le superflu, ou périssos en grec. Ce mot désigne ce qui est en plus par rapport aux besoins éprouvés. Autrement dit, ce dont on peut se passer, ce qui n'est pas nécessaire à notre survie. Et le deuxième élément de la comparaison, c'est qu'il avait pour vivre est rendu par le terme bios, qui en grec désigne les ressources nécessaires à la survie et au sens le plus large, la vie elle-même. On pourrait donc reformuler la comparaison comme suit. Alors que les autres ont donné ce qui ne leur était pas nécessaire pour vivre, la pauvre veuve a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et par-dessus tout, elle a donné sa propre vie. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le nœud de l'enseignement de Jésus dans le temple de Jérusalem. La pauvre veuve a donné plus que tous les autres parce qu'elle a tout donné. Elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. En donnant tout ce qu'elle possédait, elle a donné sa propre vie. Cette pauvre veuve est par la même situation que la veuve de Sarepta dans la première lecture, qui a consenti à la demande pressante du prophète Élie, malgré sa situation de détresse. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous mangerons et puis nous mourrons. Nous ne pouvons pas lire ces quelques lignes sans être saisis de compassion face à une telle détresse, face à une telle angoisse. Nous mangeons ce qui nous reste, puis nous mourrons, dit la veuve. C'est aussi la situation de tant de familles qui croupissent dans une misère sans nom. C'est la situation de parents qui ne perçoivent plus rien, ou presque, et qui ne savent plus comment nourrir leurs enfants, ni préparer leur avenir. C'est la situation des élèves et des étudiants qui ne peuvent pas aller plus loin dans leurs études, faute de moyens. Des situations de détresse et d'impasse qui, malheureusement, laissent les riches et les dirigeants complètement indifférents et insensibles. La paix du sœur. Mettez cela en salle. Nous s'y conformons. Cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres. Elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. Elle a donné sa propre vie. La pauvre veuve de l'Évangile et celle de Sarepta, une localité païenne, ont donné plus que tous les autres parce que leur cœur était rempli d'amour. Et aimé, nous dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, aimé, c'est tout donner et c'est donner soi-même. Elles étaient matériellement pauvres et démunies, mais spirituellement et intérieurement, elles étaient riches parce que remplies d'amour. La paix du Christ. Elles ont donné plus que les riches, dont le cœur était rempli d'orgueil, mais vide d'amour. Celui qui est vide d'amour est intérieurement pauvre. Frères et sœurs bien-aimés,
mesurant le risque encouru par ces femmes. Elles osent donner tout ce qu'elles possèdent, ce qu'elles ont pour vivre. On pourrait croire qu'elles font le choix funeste de la mort. Cela s'apparente au suicide. Mais non, ces femmes infortunées ont pourtant fait le choix du vrai bonheur. Le choix du bonheur impérissable. Pour l'une, il est dit, jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas. En ce qui concerne la veuve de Sarepta, et pour l'autre, celle de l'évangile de Marc, il est dit, sa béatitude est proclamée à jeune âge. Comme la bienheureuse Vierge Marie, cette pauvre veuve est reconnue bienheureuse par toutes les générations qui découvrent son visage à travers le témoignage des saints évangiles. Ces pauvres femmes ont fait le choix de la vie, car Jésus déclare, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Nous le voyons, nous le lisons dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 16, le verset 27. Frères et sœurs bien-aimés, la louange de la modeste offrande de la veuve est aussi une critique implicite des offrandes offertes dans le temple de Jérusalem pour le pardon du péché notamment. En effet, lorsque les riches donnaient ce qui était nécessaire à leur sacrifice, ils jetaient dans le tronc le surplus qui leur restait. Jésus relativise en réalité l'argent donné au temple et par conséquent le sacrifice et autres dépenses de ces sommes couvertes. Le véritable amour, c'est celui qui inaugure, à savoir le culte à l'esprit et en vérité. Le culte qui repose sur l'unique offrande de sa propre vie et non plus les nombreux sacrifices offerts à répétition dans le temple. Tel est l'essentiel de l'enseignement que nous délivre l'auteur de la lettre aux Hébreux dans la deuxième lecture. Nous lisons une partie de ce texte, c'est une foi pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de multitude. Très cher frère, monsieur l'abbé Jean Gilbert Mavoumou, je me tourne vers vous, tout particulièrement en ce jour de votre installation comme curé de cette paroisse. Parmi les rites qui vont marquer ces cérémoniales, il y aura la remise des clés. Ce rite est singulièrement important parce qu'il évoque votre mission d'introduire les fidèles dans la maison de Dieu. Je vous exhorte, très chers frères, à la lumière de la parole de Dieu méditée en ce jour, d'accomplir cette tâche essentielle avec désintéressement et miséricorde. Gardez-vous des attitudes flatteuses de scribes hypocrites et orgueilleux qui paradaient dans le temple de Jérusalem et sur les places, recherchant avidement la gloire et les honneurs. Non, à l'image de Jésus, le grand prêtre par excellence, montrez-vous humble, zélé et patient envers tous. Regardez avec le même amour le riche aussi bien que le pauvre. Considérez avec le même respect
le riche donateur, aussi bien que la pauvre veuve qui dépose deux petites pièces de monnaie. Faites de cette maison que vous aurez la mission d'ouvrir chaque matin une maison de prière où tous, tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté apprendront à offrir à Dieu le culte véritable du corps. Et l'humilité de la généreuse Vierge Marie vous inspire continuellement. La Pénissa, Aliagé, Mouyaï, Mimo, Ya, la Mama, la Fouille. Pour dire le bébé de Mouyaï, la Kakiaté, la Polo Yakese, puis la Kamé Yakete. Mais il me s'assure la Mimi, la Mopoto, il a même Tala, ou Fouille, la Kento, il a la Polo Yakese. Que ça se trouve à la maison de la fierté, de l'île de la Guada, il y a l'Ancien Testament, il y a beaucoup de latino, il y a la fomo. Qui m'a aidé de mettre le pamoukla? Moutou yaye, mou bikou yaye, mou yaye, Eli. Puisque Eli est le juif. Eli est élevé la boîte de Yanné Kuna, la Lénor, puisque dans le temps, il y a un fou, un tissot, qui est un fou, il y a un nord, le royaume du nord, qui est un fou, il y a ici, le royaume du sud. Boîte de Yanné, la capitale, il y a un fou, il y a sud, Jérusalem, et boîte de Yanné, il faut qu'il faut le voir dans le fou, il y a un gâteau, dans l'endroit de la soude, c'est-à-dire dans le nord. Samarie. Mais peut-être que pendant la couleur, il profite qu'il y a une vie dans le nord. Maman, il y a une vie de quoi, il y a une taka, la banfoula, la kama, nana, na, la kumi, sangwati. La banima, il y a le coup de l'enfant de Jésus-Christ. 870 avant Jésus-Christ, au 9e siècle. Wapiman, vous allez mettre dans le nord, il y a dans le nord. Mfumu ya Zulu, mfumu ya Priyano, mfumu ya Yande Akabu. Mfumu Akabu. Mfumu Akabu kusakusu wa Dikabu kina Yande Kwela, kende mfumu Yande Zeti, Jebabel, Jebazel. E Yande Fwani Vejuf, wiske, Yande Fwani Mutu ya Mwala ya Kaka, ya Royaume, ya Royaume de Sidon. Puisque le Dieu Bajuf, Bafa Nizotwa, ya Yina Fwani Vejuf, Bafa Nizotwa, Bafa Nizotwa, or, il y a un fond de la vraie juif. Mais vous avez pu être quelqu'un qui n'a pas été juif, qui n'a pas été païen, quelqu'un qui n'a amené à la boue, il y a un des Israéliens qui a été Israël, pour le royaume du Nord. Il y a un ménage à l'Isa de Rao, il n'a pas été pour qu'il n'a pas. Et vous, il y a un ménage, vous avez tout le même chose à l'Isa. Il y a une mésimana, monte in Anzam, Salakabao, quand on va venir dans le ciel de Ndongo. Il y a une mésimana, Nzam et Abraham, Nzam et Isaac, Nzam et Jacob, Nzam et Moïse, Josué, va venir là. Il y a une mécouma, Langa, Nzam et Yamanouma, Nzam et Yakata. Et bah, on est sur les autres qui nous Nzam et Abraham, voilà une bonne, on a pris sa mamouta, on a pris sa mouta. Bah, les Israéliens ne parlent pas. Et surtout, pour ma mobilité, Eli ne parle pas. La maman, il y a une maison, ça, quand il y a des pétales, il n'y a même plus la boule. Pour une zambie, il y a Moïse, une zambie, la porte avec la femme des âmes de Jacob, ou encore une zambie, il y a même bien, il y a une idée qu'il y a une capitale, mais sinon, la barre, il y a quelqu'un, vous, il y a une gare, mais n'a pas la boîte. Mais le pétale, il y a une foule, il y a une foule, il y a une foule, il y a une foule que vous boivez. Et la pluie n'est pas tombée. Il y a eu une grande sécheresse. Nous avons le mot de la boîte. Nous avons le gâteau la Bénie. Nous avons le gâteau de la famille Massa Jourdain. Car si une sèche famille qui tombe, Massa est le bébé Yuma. Nous voulons y aller de Gwenda, Drama, la boîte de Sinon. Nous voulons y aller de Gwenda, Kouboba, la Mama Yaye. C'est une veuve. Ça, l'État.
Nous savons aussi qu'il y a des gens qui ont été mis en place. Et nous avons mis en place. Et nous avons mis en place. 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 Papa, les personnes qui sont dans ma maman, papa, qui est dans le pouvoir.
Pero ma mama, pero pensa mozinho da mama e não da fui. Bato de ma joia pelo. Mas que eu não mandar minha pata. Ah, mata o seu plano assim. Zaba mozinho do dela, passe, zaba mozinho sem zabe, zaba mozinho sem mundo, ainda que não passe, liga de samba que vem, que é mesmo com sua menina, vampado, que é uma joia, né? Vampado, que é uma bima, e andar, que é como na zona, né? Vampado, que é uma nariz, que é um suga em bi, que é um manisa em bi, que é um olho na cheia, que é um olho na poder, que é uma filha que é manisa da vida. Nanga na sala do poeta do Ná, tem na mão do Sapu. Nanga na sala do poeta do Ná, ah! Alors, Zaba com a mão da Zaba, voando no sítio, voando, voando no solo, voando, devant le peuple confié à vos soins, renouvelez l'intention que vous avez manifestée à votre prédilection sacerdotale. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi le mystère du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous, à son Père, en victime sans tâche, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Monsieur l'abbé Jean-Gilbert, je vous relis ces clés, rappelant votre mission d'introduire les fidèles dans la maison de Dieu. Vous aurez à cœur d'en faire une maison de prière, veillant fidèlement au respect de ces lieux sacrés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Thank you.
siège de présidence ne signifie votre mission de présider l'Assemblée des fidèles et de l'édifier en rendant à Dieu un culte public qui lui est dû avec piété et selon l'Esprit de l'Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.
premier as, un verset pluriel, le deuxième as, un engagement pluriel. Merci pluriel, d'abord à l'archevêque métropolitain pour m'avoir fait confiance et placé pendant son estime en me confiant la charge du curé. Merci Monseigneur pour cette confiance. Merci aussi à Monseigneur Jean-Claude Makaya, qui est notre aîné et notre père, qui a toujours été proche de nous. Merci Yaya et Père pour votre présence parmi nous. Merci au conseil paroissial du groupement qui se sont investis, ils ont consacré le plus clair de leurs efforts afin que cette cérémonie soit belle, ainsi que tous les amis et connaissances qui nous ont été d'un grand secours et d'un grand apport. Merci à vous. Engagement pluriel. D'abord, je renouvelle et je souligne les engagements que je venais de renouveler à la suite des questions de Monseigneur comme au jour de l'ordination. Je le souligne. Deuxième engagement, comme Monseigneur vous l'avez signifié en me confiant cette charge, l'engagement pour consolider les acquis de mon prédécesseur avec le conseil paroissial et de poursuivre les travaux de construction de notre clinique. L'engagement aussi avec le peu que le Seigneur m'a donné comme la veuve de la première lecture et la veuve de l'Évangile, de mettre au service de la communauté. Le peu qu'il m'a donné, ce dont il m'a gratifié, c'est la connaissance en Bible. Je suis docteur en Bible et je vais créer dans la paroisse les cours bibliques pour tous. Les catéchistes seront les premiers intéressés et même ceux qui viendront d'ailleurs, mais gratuitement, ça sera saisi pour que le peuple de Pointe-Noire s'éteigne de la parole de Dieu. Je ne suis pas quand même docteur en Bible pour rien. Je serai à votre service pour cela. L'autre peu, c'est ma passion pour la culture. Les jeux, à qui soit de l'univers vont bouger, vont vibrer de la culture. Pourquoi ne pas créer une troupe théâtrale qui va faire sensation dans la ville océan en jouant des pièces qui éduquent. Ça sera aussi mon engagement. Merci. Que Dieu puisse en bénisse, lui qui est